Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, merci beaucoup pour les personnes qui souhaitent un joyeux anniversaire à Nicolas, puisque effectivement c'est aujourd'hui. Monsieur Nicolas a 11 ans, imaginez, la vie est encore belle quand on a 11 ans, la vie est simple, belle et formidable. Voilà, donc je vais dire, comme d'habitude, bonjour à tout le monde. Alors je regarde qui est là, regardons. Yossi est là, Sarah est là, Bickert est là, Victoria Possé aussi, Curiosidades, bonjour, Sarah est là aussi, Ritem est là, Sapna est là, MNM19 est là aussi, qu'il y a d'autres, je regarde parce que vous discutez entre vous, Béatrice Christiana est là aussi, Save the Best est aussi là, I Just Called est là aussi, Noura est là, et Français Bjarija est avec nous, et Macho Mao est là, Nicolas a 11 ans, et nous allons écouter de la musique classique aujourd'hui pour vous faire plaisir. Shakiba est avec nous aussi. Eh bien, écoutez, nous allons commencer ensemble, si vous voulez bien. Et on va commencer, bien sûr, avec la première chose. Alors en fait, la première chose, j'avais envie de vous donner cette possibilité aussi, c'est-à-dire d'essayer de travailler sur l'interaction, si vous avez des questions. Parce que c'est vrai que parfois, quand on fait des cours, vous posez des questions, mais je fais le maximum, mais des fois c'est difficile et j'essaye de garder le rythme. Donc parfois, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais j'essaye de vous donner cette possibilité. Donc ça s'appelle « Demander à Vincent ». Vous, alors attendez, si ça fonctionne, bien sûr ça ne fonctionne pas. Voilà, vous avez la possibilité d'enregistrer votre question. Vous allez l'enregistrer avec votre téléphone ou quelque chose. Vous pouvez juste l'enregistrer en audio ou en vidéo, c'est comme vous voulez, d'accord? Mais enregistrez votre question. Si vous l'enregistrez en français, je répondrai en français. Si vous l'enregistrez en anglais, je vous répondrai en anglais. Hein, on va essayer de respecter une certaine logique. Donc, la deuxième étape, vous allez m'envoyer votre question. Et votre question, vous allez l'envoyer à l'adresse électronique askvincent@fluent2plus.com. Et puis, bien sûr, après, je vais essayer de faire une vidéo avec toutes les questions que j'aurai reçues et les réponses que je vais essayer de vous apporter. Donc, si la question est en français, je réponds en français. Si la question est en anglais, je répondrai en anglais. D'accord ? Je pense que comme ça, eh bien, les choses sont claires. Alors, Marmarmero qui dit « I don't understand the thing, I'm still a beginner in French. » Marmarmero, remember that the lessons for the beginners are on Monday and on Thursday. Okay, so here it's advanced, so it will be only in French. So just welcome on Monday at the same time or then Wednesday. Alors, nous commençons avec quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Regardez. Comment est-elle ou que fait-elle? Je vais vous proposer en fait des photos et vous allez soit, on va voir la première maintenant, regardez, soit vous allez m'écrire « elle est » avec un adjectif ou alors vous me dites « elle » et un verbe.
D'accord? Elle est avec un adjectif ou elle plus un verbe. Allez-y. Alors, c'est Bombville Lover qui dit elle est énervée. Attention, Bombville Lover, comme vous utilisez ici être, votre adjectif, vous mettez le féminin énervé avec un E. Save the Best nous dit elle est triste. MNM19 nous dit elle est fâchée. Nivine nous dit elle est fâchée. Sarah qui nous dit elle est intensive et pensive. Widad, elle est jolie. Victoria Possé, elle est triste. Ritem, elle est fâchée. Noura, elle est trop sérieuse d'après ses yeux. Shakiba, elle est fâchée. Shakiba, faites une phrase. Hein. Yossi, elle semble être triste. Chris nous dit qu'elle est triste. Béatrice Christiana, elle est énervée. Sapna nous dit elle est curieuse. Est-ce que c'est ça? Curieuse, oui. Et elle me regarde. Faites attention, curieuse, R-I-E-U-S-E. I just called, elle est belle et elle me regarde, d'accord. Ice Cubes, elle est sérieuse, elle pense à quelque chose. Noura, elle est agressive. Mohamed, elle est triste. Eka, elle est fâchée. Attention, fâchée au féminin. Lisette, elle est en colère. Daria, elle a l'air d'être concentrée, féminin, concentrée avec un E, sur une féminin caméra. Marc, elle est fâchée. Ankan, elle est blonde, d'accord. Français, elle est en colère. Et Macho Mao, elle est en colère, elle attend son petit ami. Curiosidades, elle est blonde, elle nous regarde. Ritem, qui nous dit, elle regarde comme elle va tuer quelqu'un. Ça fait peur. Là, ça fait peur, Ritem. Alors, deuxième photo, c'est la même personne. Alors, elle est ou un verbe? Écrivez-moi ce que vous pensez qu'elle est là actuellement. Comment est-elle? Alors maintenant, Bombville Lover nous dit elle est contente, Noura nous dit elle est pensive, Yossi nous dit elle est souriante, Marc elle a une idée, Béatrice Christiana dit elle est pensive, Français nous dit elle réfléchit, I just called nous dit elle est heureuse, attention heureuse, R-E-U-S-E, elle pense, Nivin nous dit elle pense réfléchir à une solution, Sapna nous dit « elle est jolie ». Widad nous dit « elle pense à quelque chose ». Shakiba nous dit « elle est pensive ». Sarah, elle a le regard comme une personne qui est pensive et curieuse. Ice Cubes, elle est plus heureuse maintenant. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Ah, mais c'est bien parce que Ice Cubes va nous faire une histoire. Noura, elle est hésitante. Mohamed, elle a l'air heureuse. Bickert, elle est heureuse, mais elle pense à quelque chose. Daria, elle a l'air de penser à quelque chose d'agréable et créatif. Très bien. Yesero, qui est là aussi, elle vient de trouver une solution à son problème.
Asia nous dit, c'est une fille et elle pense. Béatrice Christiana, elle est rêveuse, oui. Victoria nous dit, elle pense ce qu'elle va faire. Elle pense à ce qu'elle va faire. Save the Best nous dit, elle réfléchit à quelque chose. EK nous dit, elle est contente. Ensuite, Lisette nous dit, elle pense en souriant. Très bien. Ritem, elle est très contente après avoir tué cette personne. Oh, Ritem, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, Swiss Blue, j'ai besoin d'aide. Yeah, well, if it's in English, Swiss Blue, it's not possible in English during this lesson. The English lessons are on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. But now it's only in French, sorry. Sundar qui nous rejoint, curiosité d'Hadès, elle est attirante, elle pense à ce qui va se passer, ah non, à ce qui se passerait si nous étions immortels. All About Life, elle pose pour une photo. Bickert, elle semble comme une actrice, comme Gwyneth Paltrow. Alaoui nous dit, elle est en colère. Non, vraiment? Mais non, Alaoui, vraiment? D'accord. Thanas nous dit, elle est dans un rêve. Alors, nous allons continuer. Mais effectivement, vous savez... Oups là, j'appuie sur le bouton. Daria nous indique, et c'est la voix de la raison, Daria, puisqu'effectivement, ce serait très gentil, s'il vous plaît, de cliquer sur le like. Likez-moi, s'il vous plaît. Vous savez que c'est important, comme ça la vidéo est plus facilement retrouvée par les gens qui veulent nous rejoindre et nous avons envie de créer une famille très sympathique. Il y a 72 personnes et 27 likes, ça n'est pas raisonnable. Allez, on continue, regardons la suite. Alors bien sûr, c'est la troisième, nous sommes d'accord. Regardez, c'est la troisième. Alors, comment est-elle ou que fait-elle? Cosmina nous dit, bonjour monsieur le professeur, je ne peux pas participer au cours aujourd'hui, mais je voudrais souhaiter joyeux anniversaire. Eh oui, joyeux anniversaire à Nicolas. Merci beaucoup Cosmina Bellou. Alors, Nouha nous dit, elle pleure, elle est en colère. Bickert nous dit, elle est nerveuse. Français nous dit, elle criait. Oui, on peut le mettre au présent français. Hein. On peut dire, elle crie. Hein, donc, C-R-I-E. EK nous dit, elle est en colère. Nouha nous dit, elle parle à haute voix. Ice Cubes, quel était le cadeau de ton fils Vincent? Alors ça, c'est un peu curieux comme question. Peut-être que je vais vous le dire. Peut-être pas. On va voir. Sarah, elle hurle de colère. Nivine, elle est choquée. Elle a mal aux dents, peut-être. Omar, elle est trop énervée. Ouais, Omar, énervée au féminin, avec un E à la fin. Leonardo, elle fait... un récit. Qu'est-ce que ça veut dire un récit, Leonardo? Je ne comprends pas. I just called. Elle est en colère. Elle crie. C-R-I-E. Yossi, elle est énervée. Victoria Possé, elle crie et elle est furieuse. Sapna, elle est en colère. Asia, elle est triste ou en colère. Elle crie. C'est la même chose, Asia. C-R-I-E. D'accord? Le verbe, c'est crier. Du premier groupe. Ensuite, Marc, elle est fâchée. Obura, bonjour, Obura, participez. Curiosidades, elle est en colère parce qu'elle a frappé son petit orteil sur les meubles. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible dans ces cas-là. Et ça arrive à tout le monde.
Ritem, elle est choquée quand le policier a Allah attrapé pour son crime. Ah, Ritem continue dans son histoire. Mohamed, elle est au bord de l'effondrement. C'est vrai, Mohamed, très bien écrit. Save the Best, elle est nerveuse, elle crie. Ice Cubes, elle est en colère parce que l'idée trouvée féminin, Ice Cubes, parce que idée c'est féminin, ne fonctionne pas. MNM19, elle est en colère. Lisette, elle crie et elle est en colère. Béatrice Christiana, elle change toujours sa disposition. Ah, ben ça n'est pas une personne très stable, apparemment. Yesero, elle crie sur son petit ami. Daria, elle est fâchée contre un caméraman et irritée. Béatrice Christiana, elle est en train d'avoir une crise, probablement. Eka, elle crie sur nous. All About Life, elle est folle de colère. Oui, Sundar, elle est très triste avec sa copine ou son copain peut-être. Kajal, Malik, elle est choquée. Attention, choquée, C-H-O-Q-U-E, accent aigu, E. Lorsque j'observe son copain avec une autre fille. Liliana qui nous dit, elle est avec une forte douleur. Ah, elle a très mal. Alaoui nous dit, elle crie. Allez, regardons la quatrième photo de cette personne, bien sûr. Et la voici. Allez, je vous écoute. Alors, Leonardo commence très directement et il nous dit « Elle est folle !» Mais pourquoi ? Noura nous dit « Elle est fatigante !» Attention, Noura, c'est probablement « Elle est fatiguée !» Et pas fatigante, hein. Faites attention entre les deux, ça n'est pas la même chose. Sarah, elle a mal à la tête. Noura, elle a mal à la tête. Nivin, elle est... épuisée, attention, épuisée, P-U-I. Bickert, elle semble avoir mal à la tête et très fatiguée. Est-ce que c'est ça? Oui, Dad, elle est fatiguée. Daria, elle a l'air d'être trop fatiguée. Le caméraman est très exigeant. Asia, elle est fatiguée. Oui, attention, féminin avec un E. Yossi, elle est désespérée. Nivine, elle est épuisée. Leonardo, elle a trop de problèmes, c'est vrai. Marc, elle a de la fièvre. Elle est malade. Eka, elle est fatiguée de crier. Save the best, elle est malade. Bah écoutez, c'est très bien, regardez. On va finir, si vous voulez bien, avec la cinquième. Et la cinquième, eh bien, la voici. Alors là, j'imagine que vous aurez beaucoup de choses à dire. Alors, Ice Cube, ce qui nous dit, elle a trop de problèmes. C'est une sociopathe. C'est possible. Sapna, elle a mal à la tête et elle doit rendre visite au médecin. Là, on sent qu'il y a beaucoup de compassion maintenant. Sarah, elle agit comme une personne qui joue et s'amuse. MNM19, elle est joyeuse. Mohamed qui nous dit, elle a mal à la tête d'avoir trop crié. Noura, elle s'amuse avec son ami. Daria qui nous dit, elle s'amuse. Yesero qui nous dit, elle fait sa tête pour amuser son bébé.
Eh oui, Yesero, c'est vrai. Nivine, elle est contente. Sundar, je pense qu'elle se moque de quelque chose, peut-être. PCL qui nous dit elle est folle. Alors attention, folle au singulier, pas de S à la fin. All About Life, elle a mal à la tête à cause de certains problèmes. Omar nous dit elle est drôle et un peu folle. I Just Call nous dit elle est drôle, elle rit. Attention, le verbe rire. Hein, vous... ah non, c'était bien écrit, c'est avec un T, c'est parfait. Ritem, elle devient foulée dans la prison. Comment ça? Ah oui, c'est votre histoire, Ritem, qui continue. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour toutes ces choses. Alors, comme vous le savez, nous essayons chaque jour de répondre à une question. Et là, je m'étais dit que ce serait intéressant de vous poser une question très pratique, finalement, très technique, pour savoir, est-ce que vous utilisez un téléphone, une tablette ou un ordinateur pour nos cours, c'est-à-dire maintenant, actuellement. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire les cours comme ça? C'est juste histoire de savoir. Et bah, pourquoi vous préférez utiliser, est-ce que c'est un téléphone, une tablette ou un ordinateur? Prenez une petite minute, s'il vous plaît, pour me répondre. Alors, Ritu qui nous dit « J'utilise un ordinateur ». Mohana Devi qui dit « Joyeux anniversaire Nicolas ». Oui, joyeux anniversaire Nicolas. J'ai déjà chanté, hein, j'ai chanté la chanson beaucoup de fois dans la journée déjà. Je pense que je l'ai fatigué avec ça. Kafilat, j'utilise un ordinateur. PCL nous dit, j'utilise un téléphone. Sarah, je préfère utiliser mon ordinateur. Je préfère l'écran plus grand. Ice Cubes, pour le week-end, ma tablette. Pour les autres jours, j'utilise un téléphone très ancien. Ah oui, je me souviens, vous en avez parlé. Daria, j'utilise mon ordinateur. Auparavant, j'ai utilisé un portable, mais ce n'est pas très bon pour les yeux. Ben oui, parce que j'utilise beaucoup de textes, c'est peut-être ça. Excusez-moi. Ankan, j'utilise un téléphone pour mon cours parce que c'est portable. Nivine, j'utilise mon portable parce que c'est plus facile. Noa, j'utilise le téléphone pour votre cours, ça me facilite l'écriture et de répondre facilement. C'est intéressant parce que je me posais la question si le téléphone était problématique pour la résolution parce que ça doit être très petit, j'espère que vous voyez bien. Chris, j'utilise un téléphone. Yesero, j'utilise un ordinateur. Attendez, je vous ai perdu. Voilà. Pour mieux voir les textes. Oui, c'est ce que je pensais. Curiosidades, un ordinateur car j'ai une meilleure vision et c'est plus pratique pour moi. Alaoui, qui continue avec les verbes. Ina, j'utilise une tablette, attention, 2TE, mais j'aime aussi écrire et j'utilise un cahier. Oui, je parlais de ces exercices-là, hein, de nos exercices en direct. Save the best, j'utilise une tablette parce que l'écran est grand. Victoria, j'utilise un ordinateur pour la commodité. Très bien écrit. Bickert, d'abord j'ai utilisé mon téléphone mais il était difficile pour mes yeux. Finalement mon mari m'a acheté une tablette pour nos cours, youpi. Oh, alors là votre mari c'est un prince. Voilà, vous pouvez dire merci à votre mari. Lisette, j'utilise un portable parce que c'est très pratique. Ritem, j'ai un Fire Stick. Ah, alors j'utilise ma télévision pour regarder et pour répondre aux questions, j'utilise mon portable. D'accord.
EK. J'utilise mon portable parce que c'est très simple. Très bien, je regarde les autres. Alors attendez, Yossi, j'utilise un téléphone. Le clavier aide pour les accents, d'accord. Aide, m'aide à trouver les accents. Hein. I just called, j'utilise un téléphone car je peux le porter facilement. Assia, j'utilise une tablette parce que c'est confortable. Béatrice, j'utilise mon portable parce que c'est plus commode. Je suis dans mon lit, c'est plus facile pour ajouter les accents quand c'est nécessaire. Sapna, j'utilise un portable toujours. Et Macho Mao, j'utilise à la fois un ordinateur et mon téléphone. Un ordinateur pour regarder et un téléphone pour taper. Waouh ! Tout le monde a trouvé des techniques très intéressantes. Hein, en tout cas, merci beaucoup. C'était juste pour savoir un petit peu comment vous allez, vous faites finalement pour suivre confortablement les cours que nous avons ensemble. Alors, I can see that Mr. Peter has been... Yeah, Mr. Peter, I will, as I said, because today it's the birthday of my son, Nicolas, so I didn't really take the time to look at the messages and the emails. So I will do that probably tomorrow to just take the time to really enjoy this day. So I wanted to do the lesson today, but then after that, I will just spend the evening with my little one. Allez, on continue avec comment traduiriez-vous? Regardez, comment traduiriez-vous? Et bien sûr, je veux, s'il vous plaît, des phrases avec du subjonctif. Et on va commencer avec la première. La première, eh bien, c'est celle-ci. She has to be brave. Comment est-ce que vous pourriez traduire cette phrase en français avec un subjonctif dans la phrase? Allez-y. Alors, je vois que Daria a décidé d'éviter intelligemment le subjonctif. Ah, elle a retiré son message. Non, c'était possible, mais effectivement, oui, d'accord, vous avez mis la version après. Alors, oui, idéalement ici, comme je vous demande un subjonctif, on utilise plutôt cette notion d'obligation et en général, c'est le verbe falloir. Le verbe falloir qui est un verbe impersonnel, ça veut dire qu'on utilise uniquement il. Vous allez le structurer avec que et après vous devrez mettre un subjonctif. Il faut qu'elle. Et après votre verbe au subjonctif, c'est le verbe être, troisième personne du singulier, soit, s. O-I-T. Il faut qu'elle soit courageuse. Allez, deuxième phrase, même chose, s'il vous plaît, un subjonctif dans la phrase en français, si c'est possible. He doesn't think we are sincere. He doesn't think we are sincere. Sincère?
Ah, it's the French pronunciation. Alors, comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français avec, bien sûr, un subjonctif? N'oubliez pas que si vous voulez avoir la réponse, vous devez appuyer sur le bouton like. Merci. Merci encore une fois. N'oubliez pas d'appuyer puisque je vois que vous êtes plus de 85 et il n'y a que 51 likes et c'est pas raisonnable, mesdames et messieurs. Alors, regardons ensemble. La traduction ici. Et la traduction, eh bien, j'avais envie d'utiliser le verbe penser. Le verbe penser à la forme négative. Il ne pense. Oups, j'ai oublié le pas. Excusez-moi, regardez. Voilà. Il ne pense pas que nous soyons. Nous sommes d'accord qu'ici, eh bien, c'est la forme du subjonctif présent. Du verbe être, nous soyons sincères. Il ne pense pas que nous soyons sincères. Je regarde. Alors c'est bien, n'oubliez pas que sincère doit être au pluriel. Donc vous allez mettre un S à la fin de votre sincère, d'accord? Je regarde, certaines personnes avaient oublié, Asia, vous avez oublié le S, Sundar, vous avez oublié le S, Marc, vous avez oublié le S, Bickert, vous avez aussi oublié le S, Omar, attention avec le S aussi, à la fin, et sincère, c'est S-I, hein, d'accord? On continue avec la troisième, alors attendez, voilà, la troisième phrase. Et la troisième phrase, eh bien, regardez. She wants you to visit her at the hospital. She wants you to visit her at the hospital. Souvenez-vous que je voudrais idéalement un subjonctif dans la phrase en français. Alors, Badis nous rejoint. Bonjour Badis, vous pouvez participer. L'idée, c'est de traduire cette phrase en français. Et dans la traduction en français, il doit y avoir un verbe au subjonctif. Alors ici, personnellement, j'avais choisi l'orientation « aller la voir », c'est-à-dire le verbe « aller la voir ». Si vous voulez utiliser la notion de « visite », faites attention parce que souvenez-vous qu'en français, on ne visite pas une personne. On va rendre visite à une personne. Donc, on pourrait éventuellement dire « elle veut, elle souhaite que tu lui rendes visite ». Ça, ce serait possible.
À l'hôpital, bien sûr. Mais ça, ce serait possible. Moi, j'étais allé pour quelque chose d'un petit peu plus simple, hein. C'était avec le verbe aller. Alors, le verbe aller, il est un petit peu compliqué quand on le conjugue, mais aille, c'est la forme, hein. Elle souhaite, elle veut que tu ailles la voir à l'hôpital. Vous pourriez lui dire que tu ailles lui rendre visite à l'hôpital. Donc là, c'est tout à fait possible, mais surtout pas visiter quelqu'un. Ça n'est absolument pas possible en français. Regardons la quatrième phrase, si vous voulez bien. Regardez. It is important that we respect the rules. It is important that we respect the rules. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français avec un subjonctif dans la phrase? Alors, Kevin demande rend ou rend. Non, Kevin, parce que si c'est le subjonctif, c'est tu rendes. RENDES, Kevin. D'accord? Ça, c'est la forme du subjonctif pour tu. Alors là, je vois que Yossi est parti sur c'est important, pas de problème. J'avais préféré ici dans ma version, eh bien, il est important hein, pour introduire cette notion de structure impersonnelle. Il est important, on peut l'utiliser très facilement aussi, d'accord? Mais grammaticalement, en tout cas, et puis au niveau du sens, ce que vous avez mis ou Daria a mis, c'est important, d'accord. Ensuite, le verbe, eh bien, c'est le verbe respecter que nous mettons au subjonctif. Alors, première personne ici du pluriel, nous respections. Hein. Le i, il est fondamental ici. Hein. Nous respections. Donc, il est important que nous respections les règles. Si vous avez mis c'est important que nous respections les règles, c'est parfait aussi. D'accord? Curiosidades, il faut que nous respections les règles, c'est bien, hein, pas de problème, hein, la signification est bonne. L'idée, curiosidades, c'était d'élargir, hein, d'avoir un petit peu une autre structure. Donc, il est important que, c'est important que. D'accord? Alors, regardons ben, la dernière phrase. C'est toujours avec du subjonctif, s'il vous plaît. I doubt he can talk to you today. I doubt he can talk to you today. Alors, comment est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me traduire ça avec, bien sûr, un subjonctif dans la phrase? Que se passe-t-il? Il y a, regardons, 103 personnes qui regardent la vidéo et je n'ai que 57 likes. Ça n'est pas raisonnable, mesdames et messieurs. Ça n'est pas raisonnable du tout. Cliquez, cliquez si vous arrivez. Il faut liker cette vidéo. Merci beaucoup. Et faites l'exercice aussi, hein. Ça, c'est plus important. Alors là, j'avais envie d'aller sur un verbe. Le verbe, c'est douter. Hein, douter, je doute que. Et là, c'est la même chose. Vous allez automatiquement mettre un subjonctif après.
Je doute qu'il. Et ensuite, c'est le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir, faites attention, le radical va être un petit peu changeant puisque c'est puisse. P-U-I-S-S. Donc, après ça, vous mettez votre terminaison E. Puisse, P-U-I-S-S-E, c'est votre forme. Je doute qu'il puisse te parler aujourd'hui. Je regarde. Faites attention, c'est vraiment, vraiment... Nouha, vous avez mis qu'il peut. Vraiment, là, l'idée, c'est de mettre un subjonctif. D'accord. Sarah, attention, vous avez mis douter avec un B. C'est un petit peu un anglicisme. Mais sinon, c'était bien. Pas de problème. Faites attention pour le verbe douter. Hein. Le verbe douter, c'est un verbe régulier du premier groupe. Hein. D-O-U-T-E-R. Hein. Je doute, tu doutes, il, elle doute. Nous doutons, vous doutez, il doute. Elle doute. Eh bien, voilà pour notre exercice. Alors, la pensée du jour. Eh bien, la pensée du jour, vous le savez, c'est la possibilité de découvrir une photo, encore une fois, et eh bien de me dire à quoi vous fait penser cette photo. Cette photo vous fait penser à quoi? Écrivez-moi une petite phrase, s'il vous plaît. Alors, Sarah nous dit qu'elle pense que cette photo provient d'un magazine commercial, d'accord ? Alama nous rejoint. Alama nous dit un ménage à 5. Ah ben c'est bien, vous savez compter. Alors, j'espère que vous allez bien, Alama. L'ambiance est bonne ici. Daria, cette photo me fait penser à l'unité parce que c'est la force. Nivin qui nous dit « L'amour, c'est la vie ». Très bien. Anshu qui nous dit « Les femmes posent pour la photo ». Très bien. Yesero, cette photo me fait penser à la famille car elles sont sœurs. Oui, faites attention. Yesero, sœur, vous écrivez d'abord le O et après le E. Ice Cubes, la photo me fait penser à Charlie's Angels. Oh mon Dieu, je regardais cette série quand j'étais très très jeune. La série hein, des années il y a longtemps. Kajal, il y a 5 filles qui sont pensées pour leur mariage, qui pensent à leur mariage. Très bien. Ankan qui dit « Dites non, 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 N-O-N, au racisme ». Eh ben oui, et ça c'est vrai. EK qui nous dit « Du féminisme ». Ok. Il faut écrire une phrase, EK. Omar, je pense qu'il y a des femmes toutes jolies. Liliana, je pense à un mouvement féminin. Ritem, cette photo donne une idée très forte. Toutes les femmes viennent d'être ensemble comme dans une famille. Kafilat, que les femmes sont belles. Mohana Devi, je pense que les dames sont fatiguées après la fête. C'est possible, hein. Yossi, c'est un groupe de danseuses qui font une pause entre deux parties de spectacle. Rory, je pense qu'il y a des femmes sans énergie. Elles sont trop fatiguées. Bickert, je vois les femmes belles. Elles regardent à la caméra pour le magazine avec un Z. Un magazine avec un Z. Victoria, elle
pensent, où vont-elles aller demain dimanche? Oui, c'est peut-être ça la question. Curiosidades, cela me fait penser que je ne suis pas le seul à m'ennuyer dans cette quarantaine. Ah ben oui. Nouha, cette photo montre le non-racisme entre les peuples. Très bien. Béatrice Christiana, cette photo me fait penser à la diversité des origines et des cultures, à la création de l'homme, à la beauté des femmes dans tout le monde. Très bien écrit, Béatrice Christiana. Ritu, les amis qui pensent si la situation grave à cause du corona va s'améliorer ou non. All About Life, les femmes sans racisme, mais avec de l'amour. Lisette, cette photo de cinq femmes réunies et allongées sur un canapé, ça vient d'un magazine. Sapna, les femmes sont posées pour le magazine, ou les femmes posent pour le magazine, et le photographe leur propose que « Mesdames, regardez par ici, s'il vous plaît ». William, je pense qu'il faut distinguer entre la joie et la douleur. Alors il faut développer William, hein, parce que là William, c'est un petit peu léger. Asia, je pense qu'elles sont toutes modèles, d'accord. Eka, cette photo me fait penser au féminisme. Stéphanie, bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Ice Cubes. As-tu regardé Blue Moon de Bruce Willis aussi? Ah oui! Oui, oui, oui! Ah oui! Ah, c'était une sacrée période, hein! On savait faire des séries à l'époque! Continuons avec notre amie, celle qui nous a fait rire et pleurer et peut-être qui nous a agacé, mais en tout cas on continue avec elle. Regardez, comment est-elle? Que fait-elle? On en a encore 5 et puis après on va passer à l'exercice d'après. Mais la même chose, donc là nous arrivons avec la 6e photo. Regardez, elle est avec un adjectif ou éventuellement un verbe, comme vous voulez. En tout cas, écrivez-moi quelque chose. Alors, Marlène nous dit qu'elle est contente. Bourmville Lover nous dit qu'elle rit, elle est joyeuse. Attention, elle rit, on l'écrit R-I-T. Hein, vous devez conjuguer. Save the best, elle est contente, elle rit. Yossi, elle rit. Mr. Peter, elle est heureuse, elle rit. Nivin, elle rit. Ankan, elle est heureuse de la vie. Sarah, elle rit avec de la joie. Marc, elle est contente et elle est joyeuse. Marc, pas de S à la fin de joyeuse, singulier. Asia, elle est contente, avec un E. Victoria Posse, elle est très heureuse. I just called, elle est heureuse, elle rit. Eka, elle est souriante. Yesero, elle rit. Une mauvaise blague pour respecter son ami. Ah, ça, c'est de la politesse, Yesero. Hein. Parfois, on doit rire, même si ça ne nous fait pas rire. C'est vrai. Allez, on regarde la 7e. Regardez la 7e. Eh bien, continuez et dites-moi, eh bien, comment elle est ou ce qu'elle fait. Thank you.
Alors, Noha nous dit elle est choquée. Thanas nous dit elle rit avec des dents orthodontiques. Wagner nous dit elle est surprise. Bickert nous dit elle est étonnée. Féminin avec un E à la fin. Et surprise féminin aussi avec un E à la fin. Et c'est avec être. Marlène, elle est surprise. Rory, elle est surprise. Lisette, elle est très étonnée. Ritu qui pense qu'elle est choquée. Ankan nous dit elle est surprise. Zazaza, Ankan, E à la fin. Nivine, elle ouvre complètement la bouche. Oui. Kajal, elle est choquée parce qu'elle a reçu une surprise. Très bien, je regarde tout ce que vous m'écrivez. Alors Ice Cubes qui nous dit notre modèle psychopathe est choqué. Ah donc, nous sommes passés de sociopathe à psychopathe. Ça fait peur. Allez, on attaque avec la huitième. Alors là, c'est Marlène qui commence. Et Marlène pense qu'elle est en colère. Et c'est vrai qu'elle fait peur. À mon avis, elle fait très peur, cette photo. Sarah nous dit qu'elle est irritée. Très bien écrit. Nivine, elle pense à se venger. C'est possible. Meriem nous dit qu'elle est en colère. Wagner nous dit qu'elle est rangée ou déçue. Ça, c'est intéressant, Wagner. Je ne comprends pas trop rangé. Ensuite, Soso Yoso, when is the English live exercise? Soso Yoso, the thing for the beginner and intermediate, they're on Monday and Tuesday. And after that, they're on Thursday and Friday. These are the lessons in English. This one, it's in French, only in French. D'accord? So you can meet, let's meet on Monday. Hein? Let's enjoy Sunday tomorrow free and then we'll meet on the Monday together. Alors, nous continuons. Canadian Flag nous dit elle est triste. Peut-être. C'est intéressant de voir. Hein? Liliana nous dit elle est très énervée encore. Ankan qui nous dit elle est en colère parce que son mari a oublié son anniversaire. Est-ce que c'est possible d'oublier l'anniversaire de quelqu'un ? Alors là, c'est intéressant parce que Rory nous dit elle est curieuse. Faites attention, Rory, curieuse, on écrit C-U-R-I-E-U-S-E. Mais c'est vrai qu'on a cette impression un petit peu. Hein. Elle est timide, Wagner nous dit, c'est vrai aussi. Yossi nous dit elle est hésitante. Hein. Oui, c'est intéressant parce que finalement, le regard sur le côté, on a l'impression qu'elle... Il y a quelque chose de spécial. Marlène qui pense, enfin qui dit qu'elle est, elle est pensive. Nivine nous dit qu'elle est timide et curieuse. Yesero qui nous dit qu'elle se demande si son mec est à côté d'elle.
D'accord. Alors, Sarah qui dit, elle vient d'entendre quelque chose d'inquiétant, c'est possible. Victoria Possé qui nous dit, elle est méfiante, c'est vrai. Je regarde les autres encore. Lisette qui nous dit, elle regarde sournoisement quelqu'un. Très, très belle utilisation de notre adverbe sournoisement, Lisa. Lisette, félicitations. Allez, ce sera la dernière avec cette personne que nous commençons à adorer ou à détester. Nous ne savons pas. La voici, la voilà. Alors, c'est Marlène qui nous dit qu'elle ne comprend pas. Alors, pas de S à comprend, Marlène, parce que c'est la troisième personne. Ce qu'elle voit. Cafilat qui pense qu'elle est frustrée. Mr. Peter qui dit mon visage quand j'ai découvert qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Ça, c'est très drôle, Mr. Peter. Mais ça n'existe plus des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est pas possible. Ensuite, Ritem. Maintenant, elle a gagné le rôle de psychose dans le théâtre. Alors, elle est très triste, mais elle est contente en même temps. Elle ne sait pas si elle est triste ou contente. C'est bizarre. Rory qui pense qu'elle est confuse. Bickert qui pense qu'elle est ennuyée. Faites attention. Et Noah qui dit elle s'en fiche. Victoria Jacques directement elle est folle. Ah, vous avez vu toutes les photos, hein, c'est normal. C'est normal. Omar qui nous dit qu'elle est déçue. Victoria Possé nous dit elle s'ennuie. Sundar nous dit elle est ennuyée et Meriem pense qu'elle est déprimée. Soso Yoso qui demande pouvez-vous faire une vidéo pour apprendre le français pour les débutants? Soso Yoso, j'ai fait énormément de vidéos pour les débutants. Énormément. Allez sur ma chaîne, j'ai fait énormément de vidéos pour les débutants. Alors c'est une petite musique douce, mais c'est un exercice qui normalement n'est pas aussi doux que ça puisque c'est les nombres du jour. Mais encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton, sur le pouce pour aimer cette vidéo. J'aimerais bien quand même avoir, allez, presque 100 likes aujourd'hui. Ce serait assez sympathique quand même. Une sorte de petit plaisir personnel. Allez, on y va. Alors, nous allons commencer avec le premier. Et le premier, je vais le lire deux fois comme d'habitude. 531. 531. Alors apparemment, c'est clair pour
presque tout le monde. Attention Sapna, vous étiez un peu trop généreux, c'était 531. Je regarde vos réponses et ça a l'air d'être très très bien, oui. Donc là, il n'y a pas trop de problèmes. Nous allons continuer, si vous voulez bien, avec le suivant. Alors le suivant est un petit peu plus difficile, bien sûr. 6926. 6926. Alors ici, si vous regardez votre écran, vous allez voir le chiffre, c'est 6926. Je regarde Liliana, faites attention, vous avez oublié le 900, d'accord? Vous avez mis 6026. Je regarde les autres, il y avait quelques erreurs. Victoria Posset, attention, ça n'était pas 8926, mais c'était 6926. Alors Ice Cubes qui aime bien la musique et qui nous le fait savoir. All About My Life, attention, c'était 6926, vous étiez un peu loin. Regardons le chiffre ou le nombre pardon suivant. 72 509. 72 509. Alors, Marlène nous a répondu en premier, mais malheureusement, vous étiez un peu trop généreuse, puisque c'était 509 et vous avez mis 559. Les autres, attention Ritu, c'était 72, Rory 72, Canadian Flag 72. Ouais, Yossi, vous avez entendu 82, mais j'avais dit 72, Yossi. Regardons les autres. Wagner, attention, hein, c'était 72. Vous voyez à l'écran que c'est 7 et 2. 7 et 2, c'est 72. Alors, je regarde les autres. Non, c'est assez bien pour les autres. Alors, c'est un petit peu difficile, toujours les 70. Allez, soyez courageux parce que c'est le dernier. 712 649. 712 649. Alors, je vois que Noura est en première position et nous donne, eh bien, le bon nombre. Regardez, c'était 712 649. Alors, c'est pas très facile. Ankan, faites attention, c'était pas 720, c'est 712. Je regarde les autres. 749, Victoria Jacques. Vous avez donné 749, c'était 649 ici.
Je regarde les autres. Non, ça a l'air d'être assez bien. Darktainer, attention, il vous manque quelques chiffres. Ensuite, non, c'était assez bien en tout cas. Bon, c'est jamais très facile, mais c'est pour ça qu'on nous allons continuer régulièrement à faire ces exercices avec les nombres. Alors, comme d'habitude, eh bien écoutez, une petite pause avec une photo et la question c'est elle pense à quoi? Regardez, à quoi pense-t-elle à votre avis? Regardez cette photo. Avant d'écrire quoi que ce soit, vous êtes 99 et il n'y a que 79 likes. S'il vous plaît, si vous n'avez pas cliqué, eh bien cliquez maintenant avant de m'écrire votre petite phrase. Merci beaucoup. Allez-y, je vous attends. Alors, Jéhovah Hollanda me demande si je suis français. Oui, je suis français, Jéhovah Hollanda. Donc oui, le français que je parle, c'est le français de France. Ça n'est pas le français du Canada, ça n'est pas le français de Belgique, ça n'est pas le français de Suisse, ça n'est pas le français d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest. C'est le français de France et je suis originaire de la région des Pays de la Loire. Je suis né dans la région des Pays de la Loire et officiellement, nous n'avons pas d'accent. En France, l'Académie française considère que nous n'avons pas d'accent. Alors, je regarde parce qu'en répondant, j'ai manqué vos phrases. Donc, regardons. Ritu, elle regarde le coucher de soleil et elle se sent calme. Ankan, elle pense à la vie. Et ça veut dire quoi, la vie? Ah, le sens de la vie? Ben ça, c'est une grande question. Bikert, elle pense qu'elle a aimé la vie. Sarah, elle pense à propos de la signification de la vie. Canadian Flag, elle pense à toi. Nouha, elle pense qu'elle fait de la méditation. D'abord, elle fait de la méditation, elle pense à ses rêves et son avenir. Kefe, elle pense à son avenir, très bien. Mohana, elle pense quand la couronne sera finie. Quelle couronne? Alors là, Mohana, je ne comprends pas avec la couronne. Stéphanie, elle est très quelque chose. Nivine, elle pense à l'univers. Alors là, c'est très profond. À l'univers. Ensuite, Yana, donc bonjour Yana, vous pouvez participer. Yossi, elle se contente de voir un très beau paysage masculin avec le coucher de soleil. YouTube Browser, elle pose pour les photos de passeport, comme ça, de dos. Elle ne va pas pouvoir voyager très loin. Omar, elle pense sur l'avenir de la pandémie. Rory, elle pense que le jour est très beau, particulièrement dans l'après-midi. Yesero, elle pense que la vie est précieuse. Et comment en profiter? Profiter de quelque chose, donc le pronom c'est « en ». Comment en profiter? Sundar, elle regarde la scène magnifique. Wagner, elle pense à la beauté de la vie. Lisette, elle pense à ses souvenirs. YouTube Browser, elle pense à... Attendez, je me suis... Ah non, vous... j'avais déjà lu votre phrase, je pense. Victoria Jacques, elle pense quelle belle journée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ice Cubes, elle est contente de regarder le coucher de soleil maintenant. Elle ne pense à rien. Victoria Posse, elle pense que
bien, je me suis levé tôt pour voir l'aube. C'est vrai qu'on peut se lever très tôt pour voir ça. Hein. Alors, vous pensez que c'est le lever de soleil. Daria nous dit, elle pense comment c'est possible de rendre ces vidéos virales afin que des millions de personnes peuvent augmenter leur niveau de français. Oh, ben c'est très gentil. C'est très, très gentil, Daria. Merci beaucoup. Allez, on continue. Donc, vous le savez, la conjugaison, c'est toujours important. Je pense que c'est toujours nécessaire de travailler sur la conjugaison, de voir un petit peu les verbes. Donc, nous allons essayer aujourd'hui de travailler sur un verbe mais qui est un verbe intéressant parce que c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe, c'est conduire. Le verbe, c'est conduire. On pourra trouver d'autres verbes qui vont se conjuguer de la même façon que conduire, mais j'ai choisi celui-ci. Donc, bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, nous allons travailler sur tous les temps que normalement vous devez connaître pour avoir un niveau B2. Et donc, on parle des trois modes, indicatif, conditionnel et subjonctif. D'accord ? Nous allons voir tous les temps, mais nous allons uniquement conjuguer à la première personne. C'est juste pour avoir une approche systématique et vous allez voir pourquoi. Donc bien sûr, on démarre eh bien, avec le présent de l'indicatif. S'il vous plaît, je... Allez, on y va. Alors, nous sommes d'accord ici que le verbe conduire, première personne du présent ici de l'indicatif, c'est « je conduis U-I-S ». Donc là, pour l'instant, je vois que tout va bien. Donc, « je conduis »,« tu conduis »,« il conduit ». Donc, U-I-S, U-I-S, U-I-T. Après ça, « nous conduisons »,« vous conduisez »,« ils, elles conduisent ». Regardons maintenant le futur simple, toujours « je », s'il vous plaît. Alors ici, la technique, c'est tout simplement de retirer le « e » final à votre infinitif. Et donc, vous avez votre radical « conduire », C-O-N-D-U-I-R. Ensuite, vous ajoutez la terminaison pour « je ». Eh bien, c'est « a-i »,« je conduirai ». Je conduirai, tu conduiras, il, elle conduira, nous conduirons, vous conduirez, ils, elles conduiront. Allez, le passé composé, le premier temps composé de notre liste. S'il vous plaît, je, passé composé du verbe conduire.
Alors là, nous sommes d'accord que la principale question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on utilise avoir ou est-ce qu'on utilise être ? Eh bien, conduire, finalement, il est comme la majorité des autres verbes, on va utiliser avoir. Donc, avoir au présent, j'ai. Ensuite, nous allons mettre le participe passé. Le participe passé de conduire, c'est conduit, C-O-N-D-U-I-T. J'ai conduit. Regardons maintenant l'imparfait. Allez, imparfait, première personne, s'il vous plaît. Alors, ici, nous sommes d'accord que notre radical, ce sera C-O-N-D-U-I-S, hein, conduise. Et après ça, vous allez mettre les terminaisons. Terminaison pour la première personne, ici, c'est A-I-S. Je conduisais. Tu conduisais, il conduisait. Nous conduisions. Vous conduisiez, il conduisait, elle conduisait. Allez, nous continuons avec. Attention, c'est le deuxième temps composé de notre liste, c'est le plus que parfait. Allez-y, s'il vous plaît, première personne. Alors, Ice Cube, qui aime bien la musique, c'était quelqu'un qui m'avait demandé si c'était possible de mettre de la musique classique. Et c'est vrai que j'ai parfois alterné. Dernièrement, j'avais mis beaucoup de musique qui était un petit peu plus rythmée. Nous allons commencer une période de musique classique parce que c'est plus calme pour faire les exercices. Donc le plus que parfait, eh bien, temps composé, ça veut dire que nous utilisons avoir, que nous mettons à l'imparfait, j'avais. Et ensuite, nous allons utiliser encore une fois notre participe passé conduit. J'avais conduit. Allez, on continue avec le troisième temps composé de notre liste, c'est le futur antérieur. S'il vous plaît, le futur antérieur du verbe conduire, première personne. Alors, je vois vos réponses qui arrivent et effectivement, hein, le futur antérieur, c'est ce qu'on pourrait appeler le passé dans le futur. Hein. Si vous ne savez pas comment on construit ou comment on utilise, regardez mes vidéos, j'ai expliqué assez précisément. La construction, eh bien, c'est un temps composé.
Donc, nous utilisons « avoir » au futur simple. « J'aurai ». Et ensuite, nous allons utiliser le participe passé, encore une fois, « conduit ». « J'aurai conduit ». Et voilà votre futur antérieur. Maintenant, celui que tout le monde, à l'exception de Yossi, déteste, Yossi adore, le passé simple du verbe conduire à la première personne, s'il vous plaît. Et voilà, je ne suis pas surpris puisque c'est Yossi qui était prêt. Et il doit être prêt parce que il a une réputation. Je conduisis. Alors encore une fois, hein, le passé simple, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser, mais vous devrez pouvoir le reconnaître. Donc ici, quand vous voyez eh bien, la forme « je conduisis », eh bien vous pouvez, j'imagine, faire une association avec l'infinitif « conduire ». Et donc là, c'est le passé simple du verbe « conduire ». Regardons maintenant le conditionnel présent. Allez-y. Alors ici, nous sommes d'accord que la construction du conditionnel présent est très très comparable à la construction du futur simple. Les terminaisons sont différentes, mais nous allons procéder exactement de la même façon. Votre infinitif « conduire », vous allez retirer le « e » final pour obtenir votre radical. Votre radical ou votre racine, c'est conduire, C-O-N-D-U-I-R. Et ensuite, vous allez mettre la terminaison. La terminaison, eh bien, c'est A-I-S. Je conduirai, C-O-N-D-U-I-R-A-I-S. Eh bien voilà, ça c'est le conditionnel présent. Regardons ensuite un temps composé, donc c'est le quatrième temps composé de notre liste et c'est le conditionnel passé. S'il vous plaît, donnez-moi la première personne du conditionnel passé de conduire. Alors, effectivement, là, tout va bien. Je vois vos formes. Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez des problèmes? Jéhovah, si vous avez un problème d'audio? Je ne sais pas. Apparemment, tout va bien au niveau de l'audio. Donc, ici, c'est un temps composé. Et comme c'est un temps composé, encore une fois, nous allons utiliser « avoir ».« Avoir », nous allons l'utiliser ici au conditionnel présent, j'aurai. Et ensuite, vous allez mettre, eh bien, votre participe passé conduit. J'aurai
conduit, ce sera votre forme pour le verbe conduire, première personne au conditionnel passé. Regardons maintenant le subjonctif présent. Alors, subjonctif présent, s'il vous plaît, première personne. Alors, pour le subjonctif présent, eh bien, la forme sera que je conduise. N'oubliez pas le E, parce que c'est ça qui est important ici, puisque le E, c'est la terminaison pour je. Faites attention, Yesero, il n'y a pas de S. Cafilate, c'est la même chose. Attention, Cafilate, pas de S, mais juste un seul S. Que je conduise. Que tu conduises, qu'il, elle conduise, que nous conduisions, que vous conduisiez, qu'il, elle conduise. D'accord ? Donc si vous avez encore des doutes sur le conditionnel, sur le subjonctif présent, ce n'est pas très grave. Prenez le temps de le regarder à nouveau. Et je pense qu'après ça ira, ne vous inquiétez pas. Alors regardons maintenant le dernier. Alors le dernier, c'est un temps composé, hein. Le dernier temps composé, c'est le subjonctif passé. S'il vous plaît, écrivez-moi la forme du subjonctif passé du verbe conduire pour « je ». Eh bien voilà, donc nous sommes d'accord que, encore une fois, comme c'est un temps composé, nous allons utiliser « avoir » puisque nous utilisons « avoir » avec « conduire ».« Avoir », nous allons le mettre au subjonctif présent « que j'ai ». Et ensuite, nous allons mettre notre participe passé conduit, conduit. D'accord ? Donc effectivement, alors attendez, Sapna nous demande, monsieur, est-ce que vous pouvez prononcer j'ai et j'aille ? Oui. Alors ici, hein, ce que vous avez écrit, Sapna, la première forme, c'est effectivement le subjonctif présent du verbe avoir. J'ai. Et en fait, Sapna, on prononce exactement de la même façon que la forme du présent de l'indicatif. J'ai. Puisque le E final de votre subjonctif n'est pas prononcé. Donc, pour avoir, ce sera j'ai. Le deuxième que vous mettez, eh bien, c'est le subjonctif présent du verbe aller. J'aille. D'accord ? Donc, j'ai et j'aille. Il y a vraiment le y à la fin. D'accord ? Premier, j'ai. Deuxième, j'aille. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Souvenez-vous, si vous avez des questions, vous avez la possibilité d'envoyer votre question à l'adresse électronique et je ferai une vidéo pour y répondre.
Barty pose la question, quand est-ce que la classe va se terminer? Je ne sais pas, on va finir, on va faire tous les exercices que j'ai faits et on va voir, je n'ai aucune idée du moment où ça va se terminer. On va voir, c'est la seule réponse que je peux vous donner. L'exercice suivant, c'est la photo du jour. Regardez la photo du jour, oui. Eh oui. Alors je ne sais pas si il y a des personnes peut-être qui ont la chance d'ouvrir leurs fenêtres et de voir ça. Ça n'est pas mon cas. Ça n'est vraiment pas mon cas. Je ne vois pas ça. Mais je vous propose cette photo, une phrase pour me faire la description de cette photo, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, je vois que Ice Cubes nous dit « Mon Dieu, c'est le paradis !» Directement, Curiosidades, je vois un beau paysage, ça me donne la tranquillité d'esprit et j'aimerais être à cet endroit. Oui, moi aussi. Wagner, l'eau est incroyablement bleue, c'est vrai. Alors, Wagner, faites attention parce que, et ça c'est intéressant, eau, eh bien, c'est féminin, d'accord? Donc, votre adjectif bleu, mettez un E final parce que ça doit être au féminin. Yana qui nous dit, alors attendez, Yana, c'est une belle photo à la plage. Très bien, Sapna, mon rêve. Je ne sais pas le nom de cette île, mais je voudrais y aller une fois. Yesero, c'est mon idée du paradis. Nivin, c'est la beauté de la nature, la montagne et la mer ensemble. Daria, après ces lives magnifiques, Vincent doit se reposer aux Maldives. Parce qu'il mérite cela. Oh, vous savez. Vous savez, on a le temps plus tard. Andy, les prés de la plage et du sable blanc. Marlène, c'est un endroit de rêve avec la couleur turquoise. Pardon, la mer couleur turquoise. Très bien. Darktainer, c'est un paradis, une photo à la plage. Très bien. Pradip, les collines. Alors attendez, je vous ai perdu Pradip, où êtes-vous? Oh mon Dieu, il y a énormément de gens qui ont participé. Les collines ont des yeux. Attention. Ça fait peur, Pradip. Sarah, cette photo montre une île éloignée. Victoria Jacques, c'est une belle photo de quelques mini-maisons de vacances. Omar, c'est un paradis où je voudrais aller. Kefé, une belle île pour faire de bonnes vacances. Ritem, les petites cabines sont parfaites pour passer les vacances. Ritu, c'est une très belle île touristique avec une belle plage. Il y a des cabanes pour les touristes. Boris, un très bel endroit magnifique au bord de la mer. Liliana, c'est un magnifique paysage sur la plage ou au bord de la plage peut-être. Je voudrais y aller. Shaham, c'est un paysage de rêve. Luciana qui nous dit « Salut, il y a un bungalow, l'eau et les montagnes. » Noura, c'est une belle photo qui montre la belle mer avec des maisons qui sont naturelles et la simplicité. Peut-être qu'un jour, je vais être là-bas. Bah écoutez, moi j'espère que vous y serez. J'espère aussi y aller. Hein. Tout le monde espère y aller. Thank you.
Alors, vous voyez probablement que. Alors, attendez, Dr. Bess, can you type? But can you? You can't speak. I don't really get what you want to say. So, Dr. Bess, this lesson is made for advanced students. So, that's the reason why it's only in French. Okay? If you want to join the lessons in English, then in that case, on Monday, it's for beginners. On Tuesday, it's for intermediate. And after that, it will continue during the week. But basically, this one is only in French. Okay? And I'm sorry for that for you if you don't understand it. But welcome on Monday, Dr. Bess. It will be the best thing for you. Merci beaucoup. Alors, comment traduiriez-vous? Et là, on va travailler sur l'infinitif passé. L'infinitif passé, c'est quelque chose qu'en général, on ne regarde pas très précisément, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important. Regardons ensemble et je vais vous donner, je crois, cinq formes. Voilà. En anglais, to have taken, comment est-ce que vous pourriez me traduire cela en français avec, bien sûr, un infinitif passé? Allez, prenez une minute et essayez de m'écrire l'infinitif passé de to have taken. Alors voilà, donc l'infinitif passé, oui, on le construit encore une fois avec l'auxiliaire. Si le verbe est avec l'auxiliaire avoir, vous allez mettre eh bien l'auxiliaire avoir à l'infinitif avoir. Et ensuite, vous allez mettre le participe passé de votre verbe. Avoir pris. Hein, imaginez une phrase après avoir pris son café, il est sorti de chez lui. Hein, donc on peut l'utiliser finalement assez facilement, ça n'est pas vraiment exceptionnel, mais donc comme d'habitude, l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé, eh bien ça, c'est un infinitif passé. Alors regardez maintenant le deuxième, et le deuxième, eh bien c'est to have become. Alors faites attention, faites très très attention, souvenez-vous que devenir, hein, puisque c'est le verbe ici, devenir utilise l'auxiliaire être. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bien bien mémoriser. Souvenez-vous du fait que devenir comme venir vont utiliser être. Donc vous mettez être et ensuite, eh bien, vous mettez votre participe passé devenu. Être devenu. Et alors là, la règle, c'est toujours la même, hein, c'est-à-dire que si votre structure est liée à quelque chose de féminin devenu avec le e final, pluriel s, féminin pluriel es.
Donc, être devenu, faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur. Hein. Regardons ensuite le troisième. Le troisième, to have watched. Alors, to have watched, quelle serait la traduction en français ? Alors, Sapna demande si on utilise, quand on parle au passé... Oui, oui, c'est automatiquement lié à quelque chose du passé, hein, Sapna, automatiquement. Hein. Alors, regardons ici vos réponses qui commencent à arriver. Oui, globalement, tout est bien. Nous sommes d'accord que le verbe c'est « regarder ».« Regarder » va utiliser l'auxiliaire « avoir. Donc nous mettons avoir et ensuite nous mettons notre forme de participe passé regarder avec un bel accent aigu si vous l'avez sur votre clavier. Voilà, et puis on continue avec to have had. Comment est-ce que vous pourriez traduire cela en français, to have had? Alors, ça y est, nous voyons que Ice Cube, c'est une machine de guerre, puisque c'est la première. C'est la première et elle nous donne en plus, bien sûr, une bonne réponse. Dans ce cas-là, regardez, avoir eu. Souvenez-vous, ici, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir, eh bien, quand on le conjugue aux formes qui sont composées, on va utiliser avoir. Donc, vous commencez avec l'infinitif et ensuite, vous allez mettre le participe passé « eu ». Avoir eu. D'accord ? Et donc, ça, c'est effectivement la forme de l'infinitif passé. Yossi demandait si on doit mettre un « d'apostrophe ». Non, non, non. Pas de « d'apostrophe ». Non, puisque c'est un infinitif. Donc, comme c'est un infinitif, on ne rajoute pas de préposition. Hein? Donc, vraiment, c'est la forme « avoir eu ». Ça, c'est vraiment la forme de l'infinitif passé. Regardons ensuite le dernier. Allez, c'est le dernier. « To have gone ».« To have gone », comment est-ce que vous pourriez le traduire en français ? Alors, Ritu, you're not the first one to ask that. Hein? If people, it's just a problem of synchronization. I guess maybe you should refresh your page, Ritu, and then you will be at the same level as the others. This is the way it goes usually. It means that there is a little delay if you've got the feeling that the others are writing in advance. And I understand the fact that it must be a bit upsetting. Merci beaucoup, Ritu. Alors, regardons ici. Alors, ici, bien sûr que le verbe, c'est le verbe aller. Le verbe aller, eh bien, va utiliser l'auxiliaire être. Donc, nous allons mettre encore une fois être ici, à l'infinitif. Et nous allons mettre ensuite notre, eh bien, participe passé aller. Être aller. D'accord ? Donc là, je regarde. Bien sûr, vous pouvez mettre le féminin, on peut mettre le pluriel et on peut mettre le féminin pluriel puisqu'on utilise avec être.
Ça n'est pas disparu. Boris nous avait donné disparu. Non, ici c'est vraiment être allé. Même chose aussi, Béatrice, être parti. Après, c'est des discussions, ça dépend du contexte, mais une bonne traduction directe, hein, to go, aller, to have gone, être allé. Hein. Si on reste vraiment sans contexte, c'est une traduction qui est probablement la plus simple et la plus correcte. Voilà. Je vous fais patienter parce que je sais que vous voulez participer à l'exercice final qui vous permettra peut-être de gagner les cours. Mais comme je vous ai dit, j'avais préparé des choses, donc nous continuons encore et toujours. Que se disent-ils? Que se disent-ils? Regardez, ça j'avais trouvé que cette photo était assez sympathique. J'ai vu cette photo, je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne photo d'exercice. Donc, imaginez, qu'est-ce qu'ils se disent? Juste une phrase. Merci beaucoup. Alors, Canadian Flag nous dit « Nous sommes étudiantes de français ». Ouais, faites attention, Canadian Flag, parce que comme vous avez un homme et une femme, ça veut dire que ça doit être au masculin pluriel, « étudiant ». Hein. En fait, le masculin pluriel, c'est une sorte de pluriel basique. Si vous mettez le féminin, ça veut dire que c'est uniquement un groupe de femmes. Sarah qui nous dit « Ils attendent au présent pour la même interview à un entretien », Sarah, vous pouvez dire. Le même entretien. Un entretien d'embauche si c'est pour le travail. Wagner, je suis fond fatigué du confinement. Cet homme, c'est ce qu'il dit. Il dit « Je suis fatigué du confinement ». Omar qui nous dit « Je pense qu'il veut convaincre, il veut la convaincre de quelque chose ». Rory, ils disent à propos, ou ils parlent à propos de leur mariage dans ces temps difficiles. Ah, c'est sûr que ça pousse les mariages à leurs limites. Daria, elle se demande comment c'est possible d'être tellement belle, intelligente et modeste. Nouha, je crois que le mec raconte l'histoire de son ex avec cette jolie jeune fille qui est son amie, d'accord? Ankan, il lui dit « Pourquoi tu as mangé le chocolat que j'ai gardé dans le frigo ?» Ah, vous pensez que c'était ça? Nivin, ils se disputent. Et oui, c'est possible, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Boris, qu'est-ce qu'on va faire? Ils se demandent ce qu'ils vont faire. Charam, il y a un homme et une femme qui se disputent ensemble. Faites attention, conjuguez le verbe disputer, Charam. Mohana, il lui explique pourquoi il était en retard. Yossi, il parle, ENT, de leur, LEURS, projet d'acquérir une nouvelle maison. Luciana, il parle de politique. Et c'est pas une bonne période pour parler de politique actuellement. Save the best, ils discutent de travail. Béatrice, Christiana, ils se disent leurs problèmes dans leur relation. Bickert, ils discutent d'un sujet, oui. Victoria, Jacques, ils disent à quelle heure est le déjeuner. Ah mais qui cuisine? Qui cuisine, Victoria Jacques? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Ritou, j'essaye, dur de répondre vite, mais il y a toujours des gens qui font ça avant moi.
C'est pas grave, Ritu, c'est pas grave. Curiosidades, ils ont une conversation intéressante sur la philosophie, l'art et l'histoire en français. Sundar, ils discutent de leur entretien, d'accord. Je regarde encore. Kefe, alors, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Et la femme lui répond, je ne fais rien. Ritem, l'homme et sa petite fille a eu un argument qui serait de faire le ménage. Lisette, ils se disent qu'ils vont voyager à l'étranger. Sankrod, ils parlent de leur enfant qui rentre très tard à la maison. Et ça, c'est un problème. Toujours stressant. Sapna, ils font une discussion formelle. Comment ils peuvent faire de leur entreprise un haut poste ou une haute position. D'accord. Ice Cubes, ils se disent l'année dernière, nous ne pouvions pas imaginer le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai en plus. Béatrice, allez, oui, encore 6 likes, s'il vous plaît. Regardez, on fait une pause. Parce que c'est vrai qu'il faut encore cliquer. Cliquez, s'il vous plaît, j'avais demandé 100 likes. Et je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Ce live avant d'avoir mes 100 likes. Allez, soyez gentils, cliquez, cliquez. Et puis on peut continuer maintenant, bien sûr. Yesero, ils sont en train de parler de politique. Sarah, ouais. Entretien d'embauche, ouais. C'est ça. Toufik, ils discutent de quelque chose. On peut voir quelques désaccords, c'est vrai. Ensuite, Victoria Possé, l'homme lui dit qu'il a beaucoup de travail et qu'il ne peut pas faire le ménage. Et ça, ça va pas bien se passer. Tanaz, il parle de Covid. Ice Cubes, ils disent, avez-vous regardé la vidéo d'un chat jouant du piano sur YouTube? Moi, j'en ai jamais vu de vidéo de chat qui joue du piano. Alors, je suis professionnel et je ne peux pas vous laisser partir sans avoir fait une dictée. Comme vous le savez, je pense que les dictées sont fondamentales et sont très importantes. C'est un exercice que nous devons faire systématiquement. Donc, je vais vous dicter 4 phrases que je vais lire 2 fois et vous allez, s'il vous plaît, les écrire. Allez, on va commencer, si vous voulez bien, avec, regardons, eh bien la première. Alors la première, il faut que je la trouve maintenant parce qu'elle elle est là, voilà, elle se cache. Vous devez lui en parler. Vous devez lui en parler. Parler. Alors, ici, effectivement, je voulais avoir le verbe devoir au présent conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous. Donc, vous devez, D-E-V-E-Z. Ensuite, je voulais mettre le verbe parler. Donc, parler de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on utilise le pronom en. Vous devez en parler. Et en plus, vous devez en parler à quelqu'un. On utilise le pronom complément d'objet indirect, lui. Vous devez lui en parler. Allez, la deuxième phrase. Elle ne viendra pas les voir.
elle ne viendra pas les voir. Alors, Sundar pose la question de différence de prononciation entre le « en » et le « a ». Alors, regardez, Sundar, je vais activer la caméra. Donc, en fait, vous me posez la question sur le « en » qui est une nasale, d'accord ? Et le « a » qui n'est absolument pas une nasale. Donc, le « a », vous le prononcez très simplement « a, 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 a ». Ça, ça va. Le « en », l'idée, c'est que l'air passe dans votre nez, d'accord ? Donc, techniquement, si je bloque mon nez, si je bouche le nez, l'air ne peut pas passer. Regardez et écoutez. En, là, ça passe par le nez. Je vais boucher maintenant. Et vous voyez que l'air ne peut pas passer. Donc, la nasale passe automatiquement par votre nez. En, en, en. Vous voyez que ça ne peut pas sortir. Donc il faut vous entraîner, il faut arriver à visualiser le son qui va sortir par le nez. Et tester à la maison, hein. Ça c'est la bonne technique, tout seul, devant un miroir, et vous allez voir, c'est la bonne technique pour vraiment essayer de travailler sur les nasales. D'accord ? Donc voilà. Regardons maintenant ce que vous deviez m'écrire. Elle ne viendra, donc là bien sûr je voulais mettre le futur du verbe venir. Donc viendra, nous sommes d'accord avec le A. Pas, et ensuite bien sûr je voulais encore un pronom, et là c'est un pronom complément d'objet direct, les. Allez, on continue avec la troisième phrase. Si tu pouvais le faire, virgule, tu le ferais sans hésiter. Si tu pouvais le faire, virgule, tu le ferais sans hésiter. Hésitez. Allez-y. Alors, là, je voulais, vous savez, assez régulièrement, j'aime bien que nous travaillions sur les structures avec « si ». Donc ici, eh bien, notre structure, c'est « si » plus imparfait, « si tu pouvais ». Donc ici, c'est l'imparfait du verbe « pouvoir hein. ».« Si tu pouvais le faire ». Bien sûr, comme d'habitude, je mets des pronoms pour vous habituer à ça. Si tu pouvais le faire, ensuite, dans la deuxième partie, vous devez mettre automatiquement le conditionnel présent. Donc, si plus imparfait, vous allez être obligé de mettre un conditionnel présent après. Et là, c'est le conditionnel présent du verbe faire. Tu ferais. Et bien sûr, je mets un pronom, tu le ferais. Si tu pouvais le faire, tu le ferais sans hésiter. Très bien. Attention, Morana, quand je dis virgule, c'est la ponctuation. D'accord ? Hein, ne vous inquiétez pas, c'est une erreur assez classique. Allez, la dernière phrase pour cette dictée. Je ne pense pas qu'elle ait le courage de le faire.
Je ne pense pas. Quel est le courage de le faire? Alors, je vois que vos réponses commencent à arriver. N'oublions pas ici que nous utilisons le verbe penser à la forme négative « je ne pense pas que ». Donc, ça veut dire que votre « que », il est là. Vous avez ensuite « elle » qui commence avec le son d'une voyelle. Donc, je ne pense pas qu'elle, le E doit disparaître et vous mettez l'apostrophe. Je ne pense pas qu'elle est, et bien sûr ici c'est un subjonctif présent. C'est le verbe avoir au subjonctif présent. Je ne pense pas qu'elle ait le courage de le faire. Voilà. Souvenez-vous, pour le B2 en général, j'essaye de vous demander de travailler sur du subjonctif ou plus rarement du passé simple. Eh bien, ça fait longtemps que nous n'avions pas fait ça. Le paysage du jour, c'est quelque chose que nous avions l'habitude de faire avant. Et puis, on va probablement en refaire régulièrement. Nous partons dans la région Centre-Val-de-Loire, qui est une région que je connais un petit peu. Et j'avais envie de vous faire découvrir ce magnifique château. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est là. Toute la région des Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, il y a beaucoup de châteaux. Presque autant de châteaux que de champignons. Et donc, regardez le château de Chambord qui est vraiment très sympathique. Une phrase pour me faire la description de cette photo, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, je vois que vous commencez à m'écrire des choses. Victoria Jacques qui dit « Les exercices comme celui-ci me manquent ». Ne vous inquiétez pas, Victoria Jacques, nous allons y revenir. Vous savez, on essaye de changer de temps en temps, faire un petit peu plus de grammaire et après, nous repartons dans des choses un peu plus, oui, plus sympathiques visuellement. Jana ou Yana qui dit très beau, très grand château. Eka qui dit oui, je suis déjà allé là-bas. Désiré qui nous dit c'est un immense et magnifique château. Oui. Rory, c'est un immeuble où les aristocrates habitent. Alors c'est un bâtiment, hein, plus qu'un immeuble. Sarah, je pense que ce château a été
Construit pendant l'époque baroque, Wagner, le château touche le ciel gris. Iesero, c'est un château qui est un style de Renaissance, c'est pour le roi. Martin ou Martine, je crois que c'est un château qui est très vieux. Luciana, c'est un de mes rêves de visiter ce château et d'autres dans le Val-de-Loire. Oui. Luciana, il faut prendre le temps. Et les châteaux de la Loire, c'est magnifique et c'est vraiment, vraiment très sympa à visiter. Et vous pouvez bien manger. Et il y a aussi du vin de la région qui est pas mal du tout. Ensuite, le château de Chambord est magnifique. C'est un château magnifique dans sa structure. Ice Cubes, c'est un château très grand et sympathique, comme a dit Vincent. C'est vrai, il est sympa, non? Nouha, c'est une belle photo qui représente un beau grand château avec des gens qui le visitent, c'est vrai. Curiosidades, un beau château. Nous pouvons apprécier l'architecture et l'art des temps anciens. La France a beaucoup à offrir. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, voilà. Vous le savez probablement, ou peut-être pas, je vais vous l'expliquer. C'est la possibilité de gagner les cours sur la plateforme et les personnes qui m'avaient envoyé des messages, je vais répondre demain. Après le cours, je vais profiter de la vie avec mon fils. Donc demain, je m'occupe de tous les accès pour chaque personne. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais noter sur, ici, mon cahier, tout simplement un nombre qui va être compris entre... Alors, attendez, je vous le mets encore pour les personnes qui arrivent. Donc, je vais penser à un nombre de 1 à 100. D'accord ? Ensuite, vous allez essayer de deviner ce nombre. Vous allez me faire juste une seule proposition. S'il vous plaît, pas beaucoup de propositions parce que je ne pourrai pas prendre en compte vos participations et les autres personnes vont faire attention et vont dire « Oh là là, il y a un problème !» Donc, la personne qui va gagner, je vais lui donner un accès à une sélection de cours sur frenchforme.net. D'accord ? Alors, attendez, je prends le temps maintenant de noter le... Voilà, je l'ai noté. Alors, ça y est, on attend une petite seconde, s'il vous plaît. Je vais mettre une musique... douce et joyeuse pour, peut-être pas joyeuse, mais en tout cas une petite musique douce et on va commencer tranquillement. Vous pouvez commencer. Thank you.
Et oui, regardons qui a gagné. Alors attendez, voilà, je l'ai écrit et c'est Sapna. Alors je sais qu'il y a, mais vous connaissez les règles, hein, c'est Sapna qui a été la première personne à dire 71. J'ai aperçu après Yesero qui avait proposé 71, mais c'était Sapna qui était le premier ou la première à donner 71. Donc c'est Sapna qui gagne aujourd'hui. Et s'il vous plaît, puisque nous sommes très gentils, félicitez Sapna et on espère que Sapna, vous êtes encore là. Donc, Sapna, regardez, vous savez probablement comment ça marche, mais la personne donc, qui a gagné, et c'est vous, Sapna, bravo, bravo, vous allez vous enregistrer sur frenchforme.net. Ensuite, vous allez m'envoyer un message par la plateforme. Et alors, je ne sais pas si tout le monde a trouvé, il y a des personnes qui m'ont contacté, d'autres qui peut-être ont du mal. C'est l'adresse. Vous voyez ici l'adresse sur la plateforme avec le formulaire. Vous m'envoyez tout simplement un petit message et moi, avec grand, grand plaisir, je vais vous donner accès au cours que vous avez gagné. Eh bien, écoutez, voilà, effectivement, Victoria Jacques, Safna, la police est arrivée pour vous. Ah, c'est le son de la police! Oui, je me disais que ça donnait un petit côté joyeux. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment très, très sympathique. Encore une fois, félicitations à Sapna et félicitations à tout le monde. J'ai passé vraiment un moment très intéressant. Mais maintenant, je retourne parce que c'est l'anniversaire de Nicolas. Merci beaucoup. Au revoir. Et demain, on fait une pause. C'est dimanche. Mais lundi, nous continuons avec les débutants. Donc, si vous voulez venir au cours de débutants, c'est en anglais, mais vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci beaucoup et au revoir. Para ver quién cae de la maailma y en el tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, jokallen sinut musertaa. Sempre una mia assetto troicumani qui. E fai nomi da nera vita, om vita chi.
Aquí.